fait la dernière préparation là avant de se mettre tournesol. Ça fait déjà un petit peu presque 15 jours qu'on a gratté, commence déjà à naître de l'herbe. Là vous voyez, il y a de la fraîcheur. Je vais gratter légèrement. Ça fait une petite consommation de 8 litres hectares avec le vibro. Bon, on va aller assez vite puisqu'on va aller à 11 km/h avec 5,70 m. On hésitait, c'est pas évident hein, le métier agricole. Parce que soit j'attends que je désherbe dans 2 jours, mais ça, je suis pas sûr que ça crève. Et comme, bon, là ici c'est une groie, mais à d'autres endroits, bah, la pluie qu'on a eue il y a quelques jours, ça a refermé le sol. Et il y a quelques mauvaises herbes. Vous voyez, il y a ça qui traîne. Un petit régras. Un petit régras qui traîne, ça va le détruire. Comme ça, on va pouvoir semer dans de bonnes conditions. Et en plus de regratter, ça va permettre de réchauffer le sol quand même. Sans déconner, je sais pas comment ça fait des fois pour rentrer dans les outils. Là, j'arrive même pas à l'enlever. J'étais obligé de... Non, mais sans déconner. Faut que je pète le bordel. Ah, c'est pas une pierre qui va m'embêter quand même, bordel. On va transformer mes tailleurs de pierre maintenant.
kilos. Alors l'objectif de ce boulot là aujourd'hui, c'est de rouvrir le guéret, arracher les dernières herbes qui restent. Vous voyez, bon, je suis à 4 cm et bien appuyé avec le rouleau là. Comme ça là, je vais semer le tournesol vers là, là, dans les 3-4 cm. Il y a la fraîcheur et vous voyez, bah, ça donne un bon rendu. Avec un sac comme ça, là, je fais 2 hectares environ. C'est une dose de 150 000. Alors pour le réglage du tournesol, on a l'aspiration d'air qu'il faut mettre à l'aspiration petite graine, c'est pas comme le maïs. Et ici, là, c'est le réglage de la profondeur. On a mis le numéro B. En fait, la graine de tournesol, elle tombe juste derrière le petit sablot. Et c'est pour ça qu'on règle ici, là, la profondeur.